Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting aujourd'hui. J'ai repris aujourd'hui mon grand épée, celui de la femme et le tigre. Voilà, ça faisait quand même quelques jours que j'avais pas perlé dessus. Voilà, c'est fait. J'ai fait un gros morceau aujourd'hui. Il avance bien. Je suis arrivée à la moitié du kit. Voilà. Je suis bien contente, il est super beau, j'adore. Aucun problème, pas de défaut sur les perles, pas de défaut sur la toile, rien. Vraiment nickel, nickel, nickel. Alors aujourd'hui, vous verrez, j'ai fait d'une façon, j'ai fait autrement que d'habitude. Bon, je me suis servi du stylet, mais j'ai fait principalement avec la pince. Voilà. Je me suis dit, tiens, je vais essayer avec la pince. C'est vrai que j'étais pas très très chaude à travailler avec les pinces. Mais bon, c'est vrai que les premières pinces que l'on avait quand on achetait les DP, c'était pas l'idéal. Hein. Vous rappelez, bon, des fois on les a encore ces pinces-là. Mais les pinces grises assez molles, là, qui ne servent à rien, puisque on ne sait pas s'en servir, justement parce qu'elles sont trop molles. Pas assez pointu, c'est vraiment des pinces qui ne servent à rien. D'ailleurs, moi, bon, quand je reçois, ben, je les mets tout de suite sur le côté, je m'en sers peut-être, mais pour d'autres loisirs, quand j'ai besoin de tenir un papier, quand je fais de l'embossage, par exemple, voilà, ça me sert à ça. Donc là, je me sers de la pince noire avec les pointes très très fines. Et ceux-là sont vraiment nickel pour travailler avec les perles. Et je trouve que d'ailleurs, ça va plus vite. Voilà. j'ai fait surtout en... Bon, là, j'ai... Là où j'étais arrivée, c'était quand même des... Vous verrez aujourd'hui, c'est quand même des grandes surfaces de couleurs. Donc, c'était facile de travailler en damier. Voilà. Donc, j'ai fait toutes mes poses de damier à la pince. Et j'ai rempli mes damiers principalement au stylet. Voilà. Mais faire le damier... Et en plus, je trouvais que... le travail était beaucoup plus net, beaucoup plus droit en travaillant à la pince. Voilà. Donc, je pense que maintenant, je travaillerai beaucoup plus comme ça à la pince. Bon, surtout quand il y a des grandes surfaces de couleurs. Bon, quand il faut changer beaucoup, peut-être pas. Parce que là, bon, c'est plus compliqué. Mais quand il y a des plus grandes surfaces de couleurs, ouais, je ferai à la pince. Ça va vraiment très très bien, voilà. Et je vous dis, le travail est beaucoup plus net. C'est vraiment, j'espère que vous arriverez à le voir sur la vidéo, mais on voit que les perles sont beaucoup plus alignées l'une derrière l'autre. Voilà, donc pourquoi j'ai pas fait ça avant, mais c'était un moule de gomme. Mais bon, c'est parce que je pense que c'est parce que justement j'avais toujours la mauvaise expérience avec les anciennes pinces. Je ne sais même pas si j'en ai pas une là. Non, ça n'en est pas une. Ouais, non, elles sont dans le fond d'un tiroir. Puisque comme je ne m'en sers pour ainsi dire pas. Mais vous, je pense que vous voyez desquelles je veux parler. Et donc maintenant, je pense que quand j'aurai des grandes surfaces, oui, je ferai à la pince. Voilà, j'ai pas essayé encore sur les kits avec les diamants spéciaux. Quand j'en referai un, j'essaierai. Je vous dirai ce que j'en pense avec si je fais à la pince. Mais là, bon, là j'aime vraiment bien. Ça va vraiment bien. Tout au moins avec celle-là de pince, hein. La noire très pointue. Ça va vraiment bien. Les perles tiennent bien hein, au bout de la pince.
sans souci. Bon, mais ça, il ne faut pas que vous appuyez comme une dingue, hein, avec la pince. Vous prenez délicatement, vous posez, ça va tout seul. Donc, voilà. C'était du coup mon petit changement de technique sur mes DP. Et là, du coup, ben, je suis contente d'être déjà arrivée à la moitié. Ce qui dit qu'il faudra encore... Bon, là, on est quoi? On est le 16, je crois. J'aimerais bien l'avoir fini pour la fin du mois. Ce serait bien. On verra. Puisque là, je suis encore en train de faire le cheval. Bon, le cheval, lui, va aller vite. Hein, donc, lui, c'est un petit... Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir fini pour la fin du mois, du coup, la femme et le tigre. Voilà. Donc, je vais vous laisser visionner cette vidéo, voilà. Et je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Je vous souhaite un très bon visionnage. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bon, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, mais... Je pense que c'est normal, c'est les vacances, hein. Vous n'êtes pas devant votre ordinateur à regarder les vidéos YouTube, ça se comprend, hein. Vous avez autre chose à faire. Et n'oubliez pas, si vous êtes de passage et que vous regardez les vidéos, les petits pouces bleus, et si vous ne connaissez pas encore ma chaîne et que vous êtes en train de me regarder, que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, il y a le petit... carré marqué abonné, vous cliquez dessus, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, comme ça vous êtes au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. En moyenne, il en sort une par jour, un peu moins le week-end, mais bon, ça dépend de ma forme, mais en moyenne il sort une vidéo par jour, donc... Vous avez de quoi visionner. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bon visionnage. Bisous, bisous.
Thank you.